Edu. Alors, on est dimanche. Je vous prends pour le dernier vlogmas de semaine de l'année. C'est la dernière ligne droite. Je suis dans mon lit avec des petits pains au chocolat. Voilà. Et je regarde les vidéos des copines. Pain au chocolat, café froid, Paul Tagnese. Eh, regardez. Bon, faut que je fasse mon pieu. Mais j'ai commencé à accrocher mes petites affiches. Mais en fait, j'ai pris des trucs. Vous savez, les trucs, c'est des scratchs. Ah, c'est mieux quand je lis, il est un petit peu mieux fait quand même. Et sinon, aujourd'hui, je suis en full Christmas pajamas. On a deux. J'ai fait ma bibliothèque. Bon, là, il y a encore du bazar. Ça, c'est des habits, ça, c'est une poubelle. Il faut encore qu'on peigne la descente d'escalier. Voilà, parce qu'en fait, on avait peint en majorité ici. Bon, là, c'est pas encore terminé, hein. C'est tout en bazar. Mais ouais, ça commence à un peu plus ressembler à un bureau. Par contre, j'ai toujours pas trouvé de fauteuil. Je vous le dis, j'ai toujours pas trouvé de fauteuil. Je vais faire ma teinture 3, voilà, le châtain foncé. C'est juste pour dire retirer les reflets. Et après, j'ai pris l'oxydant... Carassoin aussi, voilà. Donc il m'en faut deux comme ça, pour tout le tube comme ça. Donc voilà, je vais tout mélanger et puis on va faire quelque chose pour ça. Bon, en fait pour l'instant j'ai fait moitié-moitié parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de quantité et j'ai pas non plus les cheveux hyper longs. Et voilà, la popote est faite. Donc là voilà, je vais enfiler mes gants et ça va teinturer. Et voilà, ça pose. Bon, c'est appliqué comme du caca boudin. Voilà, mais ça pose. Je vais devoir me rincer assise, puisque nous n'avons toujours pas monté le carrelage. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que ça va donner le rinçage assis. Hein. Je suis obligée de me doucher assise, parce que c'est pas du tout monté. Et regardez, si je me douche debout, ce que ça donne sur le mur. Il faut impérativement qu'on remonte le carrelage. Et en plus, ce carrelage-là n'existant plus, j'ai dû faire un stratagème ou Allegen Bistouflex. Je peux même pas mettre un truc pour ranger mes machins. Donc déjà, on a changé le sol. On a mis du sol comme ça et fait un peu marbré. Donc déjà, on a changé ça. Mais là, il faut qu'on remonte le carrelage et qu'en plus, on mette une porte de douche. Parce que clairement, on en fout partout. Ce jet d'eau là, il est trop trop bien. Par contre, je vous le dis, je l'ai eu sur Amazon. C'est du gros gaz de foire international. Et du coup, j'ai acheté du carrelage comme ça. Parce qu'en fait, le carrelage qui est dans la salle de bain, il en reste. Mais pas assez pour monter jusqu'en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ou deux lignes de celui-ci entre deux. Pour que ça fasse un genre de décoration. Crary s'est fait exprès, tu vois. Et ensuite, on terminera avec le carrelage noir. Ok, donc on va faire les calendriers de l'avant pendant que ma teinture pose. Donc la case 19 du Compagnie Coloniale. On a donc un thé vert menthe. Donc là, c'est un thé vert à la menthe. Hein. Je pense que j'ai même pas besoin de regarder le côté. Je vais quand même regarder, mais bon. Thé vert gunpowder de Chine, feuille de menthe 12%, arôme 0,9%. Ok, cool. Et la case 19 du calendrier de l'Avent Yves Rocher. Ça se vide, hein. Ça se vide, ça se vide. Une peau rayonnante dès le réveil. Ça, ça doit être du soin. Ah, c'est de la gamme Elixir Botanique. Et c'est le Sleeping Care Soin Récupérateur de nuit. Ah, cool! Bon, allez, c'est l'heure du rinçage. A few moments later. D'ailleurs, en ce moment, je lis ça. Je vous ai mis la semaine dernière mon avis sur Noël et préjugés. Un petit livre de poche où il y a plein de nouvelles. Enfin, c'est plusieurs petites histoires. Je vous ai mis mon avis sur Insta en story à la une. N'hésitez pas à aller voir. Mais en ce moment, je suis dans celui-ci. J'en suis là, donc on va dire peut-être un quart du livre. C'est pas mal, on n'est pas du tout sur le même acabit, hein. C'est de la lecture adulte, hein. Par contre. Parce qu'il y a des scènes qui sont pas très Noël, on va dire. Mais pour l'instant, j'aime bien, j'accroche plutôt bien. C'est plein de détails, c'est très détaillé. Donc, ouais, j'accroche plutôt bien. Je vous ferai le retour de toute façon sur Insta. Je vous fais toujours les retours des livres sur Insta, comme ça je peux mettre en story définitive.
Je suis en train de prendre mon petit déj, j'attends que mon thé il infuse. Du coup, je pense que je vais vous ouvrir les calendriers de l'Avent. Et ensuite, il faudrait que j'aille me préparer puisque je vais avec mon père et ma sœur faire les cadeaux de Noël que lui doit faire à ma mère avec lui. Bref, t'as capté ou t'as pas capté? Je vous ouvre les calendriers de l'Avent du jour, du coup, maintenant. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc, on est sur le 10 du calendrier de l'Avent pour le bain, là. Alors, à mon avis, on a du set de bain, là. C'est le Christmas Night Fairy Dust. On est donc sur le jour 20 du calendrier de l'Avent. Dans 4 jours, c'est le réveillon. Ça approche à grands, grands pas. Secret Sherazade. Secret de Sherazade. Thé noir de Chine, orange, pêche, amande et fleurs. Oula! Ah oui, effectivement. Ah, ça va être bon. Et on y va pour le jour 20 du calendrier de l'Avent Yves Rocher. Le jour 20, il est là. Un voyage aux mille couleurs. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est un parfum plein soleil. Je viens de le pchiter là. Ça sent plutôt bon. Maintenant, je ne saurais pas vous décrire, donc je vais faire comme la dernière fois. Je vais vous mettre les notes ici. C'est pas un parfum lourd, c'est un parfum qui est frais déjà, pour commencer. On n'est pas sur des notes entêtantes. On est encore sur un vraiment échantillon un petit peu plus grand que les échantillons habituels. D'autant plus que d'habitude, chez Yves Rocher, les échantillons, ils sont dans des genres de petits plastiques. Mais ça reste quand même un échantillon. Hey! Voilà ce que ça donne. Ça fait presque noir, mais c'est pas noir. C'est pas noir parce que j'ai promis à ma coiffeuse de ne plus jamais faire de noir. Donc ce n'est pas noir. Voilà. J'ai mis un petit fard de la palette Pat McGrath que Hello m'avait offert dans notre swap. Et voilà, et c'est parti. Et le petit pull de chez Primark, il est trop trop beau. J'adore. Ça va, je suis pas trop moche aujourd'hui. Hein. J'aime bien quand je me retape la gueule comme ça. Ça fait plaisir. On se sent plus fraîche tout d'un coup. Oui, 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 oui. A few moments later. Eh bien, je suis rentrée de ma petite virée shopping avec mon papa et ma petite sœur. Et puis, on est passé au McDo pour boire un truc ensemble et tout. C'était sympa, ça m'a fait plaisir. Et donc là, je vais aller emballer les cadeaux de Samy parce qu'hier, il était en bas avec moi. Je ne suis tout de même pas assez stupide pour emballer ses cadeaux devant lui. Non, mais et puis quoi encore? Et puis voilà. Puis voilà, on a le monsieur des fenêtres qui est venu nous faire son devis. Je m'attendais à ça, franchement je m'attendais. Je suis la seule quand j'ai des trucs dangereux dans ma main comme ça. J'ai envie de faire ça là comme ça et tout. Mais ça va pas Gwendoline. Bref, donc je m'attendais à ce prix. Maintenant c'est le financement parce que j'ai pas envie d'utiliser ma trésorerie pour ça. Donc il faut que je vois ce que je vais décider de faire. Mais dans tous les cas, au printemps, on refait les fenêtres. Bon bref, en tous les cas, ça s'est très bien passé. Et donc là, je vais aller finir ce que j'ai à terminer. Ensuite, j'irai manger. J'irai terminer ma petite soupe de butternut et de carottes. Et puis, voilà. Et après, je vais me poser, par contre, ce soir pour regarder des films parce qu'hier, je devais le faire et je ne l'ai pas fait. Allez, bye. Oui, bonne soirée. Et voilà. On y est. Joyeux anniversaire. Je trinque à Netflix. Bon, alors, je viens de regarder le film sur Netflix Que souffle la romance, qui est une comédie romantique LGBT. Voilà, tout simplement, avec un couple d'hommes. C'était trop bien. En gros, le gars est tout le temps célibataire pour Noël. Là, il pensait pouvoir présenter son nouveau mec à sa famille, mais en fait, son nouveau mec, il est marié. Et donc, du coup, il se dit, tiens, je vais aller avec mon meilleur ami chez mes parents, puis on va faire croire qu'on est ensemble. Bon, au final, ils font pas croire qu'ils sont ensemble, puisque sa mère, elle lui a organisé un rencard avec son coach sportif et tout. Bref, et puis, voilà, ça commence comme ça. Franchement, c'était trop, trop bien. C'est trop frais. La bande-son, elle était trop cool. Et puis, il y a vraiment un esprit de famille dans le film et tout qui est sympa au-delà de la comédie romantique. Franchement, j'ai kiffé. Ça fait partie d'une de mes sorties Netflix là pour Noël favorite avec La Princesse de Chicago 3. Franchement.
aujourd'hui, mardi, j'ai repris le travail cette semaine. Je suis de 9-18. C'est tout de suite plus raisonnable que de 8 heures, hein, je vous le dis. Ça change que d'une heure, mais ça change toute ma vie. Enfin, on va quand même pas abuser, ça reste quand même le matin, mais c'est beaucoup moins dur que 8 heures. Je voulais vous montrer quelque chose, je voulais vous montrer comment je me suis fait baiser en fait. Voilà, je me suis littéralement fait baiser avant l'ouverture des calendriers de l'Avent, faut que je vous montre ça. J'ai commandé un jeu de société sur Pickwick. Un quiz, voilà, pour changer un petit peu du thème crime que j'avais pris chez Sonia Lu. Donc pour le nouvel an, pour jouer en famille à notre fameuse raclette du nouvel an chez mes parents. Et je me suis dit, je vais acheter un quiz sur les séries, sur le cinéma, les séries classiques, quoi. Vraiment juste un jeu type Trivial Pursuit, mais de séries. J'ai payé ceci, 15 balles. Je m'attendais à une plus grosse boîte, avec genre un dé, un petit plateau de jeu au minimum. Bon, admettons, je me dis, bon, peut-être pas mal de cartes dedans, c'est peut-être un truc qui se joue juste à la carte, ça peut être sympathique aussi, voilà, le prix ne justifie pas la grosseur, hein, ça peut être petit. Attendez, à la rigueur, une taille de boîte comme ça, mais remplie de cartes, je me serais dit, ça va, ça passe. Mais ça, j'en fais quoi mon pélo? Eh hey, frérot, je te fais deux parties avec toute ma famille, le jeu il est fini. Terminé, bonsoir, il n'y a plus de jeu. 15 euros pour deux parties. Là. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ça? Bon, on va l'utiliser, on va jouer avec. Sans déconner. Je me suis fait baiser, littéralement baiser. Je suis pas contente du tout. Bon, après, j'ai pas regardé la taille du jeu. En même temps, t'achètes un jeu, tu regardes pas trop la taille de la boîte, si? Non? Non. Bref, allez, je vais vous ouvrir les calendriers de l'Avent du jour. Eh bien, cela se rapproche, hein, cela se rapproche. Alors, ça sent un peu les épices, hein. Donc là, c'est les rois mages. On va regarder de quoi ça s'agit. Thé noir de Chine et Sri Lanka, orange, citron, cannelle et cardamome. Je le savais. Je savais qu'il y avait de la cannelle, je l'ai senti. Mon nez de brigade cynophile a senti le bourbier. Amara, est-ce que tu as vomi? Tu le sais que t'as lâché ta meilleure gerbe sur mon canapé? Tu m'as dégueulé une boule de poil sur le canapé? Allez, c'est parti pour le Yves Rocher. Donc ça se vide aussi. 21, 21, 21, 21. Il restera que 3 cases, hein, les gars. Carité issue d'une filière bio-équitable. Carité extraordinaire. Les corps réparateurs Repair Body Lotion. Ok. Aujourd'hui, nous sommes donc le... On est mercredi. Ce soir, en quittant du travail, on est allé faire un petit tour au marché de Noël avec ma cousine. J'ai pas trop filmé parce que, voilà quoi, j'étais avec ma cousine, quoi. Et donc, on s'est pris un sandwich à la raclette et tout, et on est revenu manger à la maison. Et je me suis arrêtée à un petit stand de boules de bain et j'ai acheté une bombe de bain, un stand de bon marché de Noël. C'est une bombe de bain aux fruits du dragon. On est d'accord que ça donne envie. En plus, elle est hyper grosse. Alors là, je sens pas trop grand chose parce qu'elle est vraiment bien emballée. Mais j'avais bien envie de tester. Je vais demander à ma cousine parce que la personne... La vendeuse lui a mis une carte de la boutique dans le sac. Il y a une page Instagram apparemment ou un site. Je vais lui demander et je vous remettrai ici. Je vais vous ouvrir les calendriers de l'Avent du jour. Et puis après, je pense que je décrocherai ce linge. Je le rangerai et j'irai dans mon lit. On a donc le 11 du calendrier de l'Avent Bass Enchanted, donc qui s'ouvrait tous les deux jours. Donc, on va voir ce qu'on a dans l'avant-dernière case, du coup. Alors, ça m'a l'air d'être une bombe de bain. Je vous le dis tout de suite, à travers le paquet, j'ai senti. Ça sent extrêmement bon, par contre. Things Wish Bath Bomb. Things pour Tinkerbell, peut-être. La fée clochette. Ensuite, le 22 décembre du calendrier de thé. Alors, il sent super bon. Balade en Flandre. Alors, nous, on avait eu
balade, je sais plus comment il s'appelait exactement, mais c'était au Québec, donc avec du sirop d'érable. J'ai eu balade en Bretagne, caramel beurre salé que j'ai pas encore goûté. Et donc là, balade en Flandre. Balade en Flandre, thé noir de Chine et Sri Lanka, rhum spéculoos. Oui, bah c'est ça. Le 22 du calendrier de l'Avent, Yves Rocher. Maître du baume au cœur et aux cheveux. Réparation. Masque baume 2 en 1. Cheveux abîmés. C'est très bien. C'est un masque à rincer. Le packaging est plutôt rigolo, je trouve. Alors là, on va pas se mentir. On a une très bonne pioche, je trouve, pour aujourd'hui. Bon, je quitte du travail. Nous sommes rentrés avec Samy, il est genre 18h et quelques. Aujourd'hui, j'avais mis mon petit pull de Noël. Je vous ai montré ce matin au travail. Lalalida, Lou. Notre chef, elle nous a fait un petit cadeau. Trop mignon, du coup, je vais vous montrer. Ah, ça, c'est ma collègue qui me l'a ramené. Regardez, un petit ourson Léonidas. Et donc, ma sup, dans le petit sac, elle nous a mis une petite coupe comme ça. C'est une petite coupe, regardez, pour boire du petit champagne ou du coca. Hein. Ça marche aussi. C'est trop mignon, c'est écrit Cheers, ding ding comme ça. Franchement, j'ai trouvé que c'était trop chou. Je vais la mettre dans mon placard. Et puis, avec, il y avait des petits chocolats, mais je les ai mangés et un petit sucre d'orge. J'ai reçu un colis Amazon. J'ai commandé brise-vue pour mettre sur mon carreau de salle de bain. J'en ai un petit peu marre que le store soit fermé, mais je suis obligée parce qu'il y a le stade de foot où s'entraînent parfois des gars. Et du coup, bah, ils me verraient me laver en fait, hein, et pisser au demeurant, voire même faire d'autres besoins primaires et j'ai pas trop envie. Donc j'ai acheté du brise-vue en attendant qu'on change les fenêtres parce que ce sera pas avant le printemps. Donc en attendant, faut bien que. Voilà. Voilà, donc je vais. Ah, je vais vous montrer. J'ai reçu un truc de chez Lalalab. Voilà. J'ai reçu le calendrier pour l'année 2022 de chez Lalalab. Je vais vous montrer comment il est. Trop beau. C'est moi qui ai choisi les images et tout, bien évidemment. Mais trop beau. Donc je vais vous montrer ça. Et puis je vais vous ouvrir les calendriers de l'Avent. Ça sera pas mal. Non, oui, ce sera pas mal. Les gars, J-1 avant le réveillon. J-1 avant le réveillon. J'ai commencé à faire le montage du vlog. J'avais fait toute une prise où j'emballais les cadeaux. Je crois que j'ai pas dû appuyer sur rec. J'ai pas dû appuyer sur filmer. La prise n'existe pas. Je vous ferai une petite prise pour vous montrer mes emballages cadeaux de cette année. Mais je suis dégoûtée. Regardez ma petite coupe. Franchement, on est d'accord, elle est trop mignonne. Avec des paillettes et puis tout. Non, mais alors, regardez-moi le grand carton. Juste pour ça, s'il vous plaît. Donc, c'est du film. Je l'ai eu sur Amazon. Donc, Rabbit Goo Window Film. Voilà. Et les commentaires étaient très, très bons. Et ça existe en plusieurs types de modèles. C'est-à-dire que vous l'avez en noir aussi si vous voulez vraiment tout cacher. Par exemple, dans une chambre pour les photos, des trucs comme ça. Donc, vous voyez, c'est comme ça en fait. Voilà. Et c'est du film, c'est pas collant, c'est électrostatique. Ça veut dire que apparemment ça tient super bien d'après les commentaires Amazon. Et du coup, vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Voilà, en attendant le printemps que les fenêtres soient changées, puisqu'on a décidé de mettre ben, des vitres fumées dans la salle de bain. Et donc voici la réception de Lalalab. Donc c'est le calendrier 2022. Donc là, ça me met un petit voilà, des petites photos. Ensuite, on a janvier. Donc ça, c'est une photo qu'on avait prise à Disney, à l'hôtel Marvel. Trop, trop bien. Ensuite, en février, j'ai mis une photo de Samy et moi. C'était à la Saint-Valentin, il y a au moins 3 ans, ça. Ça, c'est quand on est parti voir Hello à Paname. Avril, bah ça, c'est une photo de Samy, pareil, à l'hôtel Marvel, où il est à l'envers. Là, bah forcément, quand on est parti à Disney. Donc la petite photo avec Jack. Au mois de juin, j'ai mis une photo qu'on avait prise à Amsterdam. Voilà. Juillet, ça c'est quand les filles et l'eau, tout ça, étaient venues à Amiens. Ensuite, en août, bah, c'est une photo. Alors, ça n'a rien à voir avec le mois d'août. Mais je sais pas pourquoi elle s'est mise là. C'est une photo de mes frères et moi à Noël. C'est un moment. La photo de Noël de l'année dernière, elle était atroce. D'ailleurs, tout le monde tirait la gueule. On venait de s'embrouiller. C'était marrant, mais du coup la photo est moche. Donc j'ai repris celle-là. Ensuite, ça c'est une autre photo de l'hôtel Marvel. Celle-ci, je l'avais pas postée sur les réseaux sociaux dans le coin de Doctor Strange. En octobre, bah, j'ai mis mon make-up préféré que j'ai fait pour Halloween cette année, quoi. Il est vraiment trop beau
ce make-up-là. En novembre, bah ça c'est une autre photo à l'hôtel Marvel. Et en décembre, j'ai mis mon sapin dans ma nouvelle maison parce que c'est hyper symbolique pour moi. C'était mon premier sapin dans ma nouvelle maison. Enfin, dans notre nouvelle maison. Et en plus, j'avais fait une décoration vachement. Voilà, l'année prochaine, ça va être beaucoup plus. Accrochez-vous, quoi. Donc voilà pour les petits calendriers. Je trouve que c'est une bonne idée. Bon, bah, de cadeaux, là, ça va être un peu trop tard, du coup. Mais même pour offrir un nouvel an, vous voyez, voilà, je trouve que c'est sympa pour se remémorer l'année. Donc là, j'ai pris des photos, en fait, en majorité de ce qu'on a fait cette année. Et c'est vrai que cette année, hormis aller à Disney, c'est vrai qu'on est parti sur Paname voir Hello et Sam. Et puis les filles sont venues sur Amiens. Mais, bah, malheureusement, on n'a pas fait énormément de choses. Franchement, l'année prochaine, j'aimerais bien. Bon, à la base, j'avais un projet fou d'aller à New York pour l'hiver, mais je pense que je vais laisser tomber. On a tellement de trucs à faire dans la maison que ça sera pas encore maintenant. On y arrivera un jour, mais pas maintenant. Mais j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien retourner à Londres pour aller au parc, voilà, Harry Potter et tout à Londres. Voilà, j'aimerais bien au minimum retourner à Londres. On aimerait bien quand même aller voir la famille de Samy à Marseille. Ça fait un sacré moment qu'on n'y est pas allé. Donc ça pourrait nous faire du bien de descendre une petite semaine. On aimerait bien bouger, quoi. Parce que là, c'est vrai que cette année, bon, après, on a été vachement pris par la maison aussi. Tout notre oseille est passé dans cette baraque. On n'a rien pu mettre de côté pour partir à Londres. Mais l'année prochaine, ça devrait aller. L'année prochaine, je pense qu'on pourra se faire un petit Londres, peut-être au mois de septembre. Et puis au mois de mai, peut-être. J'espère, franchement, j'espère. Si la situation sanitaire le permet, là j'en ai ras le cul en fait, j'en ai marre. Et à un moment donné, il va falloir trouver des autres solutions que des restrictions de. Parce que bon, là moi je la sens la carotte après les fêtes, hein. Parce que moi concrètement, faire un test PCR pour voyager, je vais pas vous mytho, ça me casse les couilles. Mais à un point phénoménal, genre c'est même plus phénoménal, c'est archi phénoménal, genre. Donc non, ça me casse les couilles en fait. Il y a aussi Disney qui ouvre son land Marvel. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Mais il est fort probable également que l'on reparte un week-end à Disney, dans l'hôtel Marvel, pour apprécier le land Marvel. Mais bien évidemment. J'aimerais bien, l'année prochaine, en tout cas, sur mon calendrier, pouvoir avoir des photos un peu plus diversifiées. Même si je me plains pas, franchement, le week-end à Disney, c'était super bien. Je suis super contente d'y être allée. Cet hôtel, c'est une tuerie. Franchement, c'est le meilleur moment de l'année avec l'achat de la maison, quoi. Franchement, j'en ai ras le cul de cette situation sanitaire. J'en peux. Là, je rigole, hein. Mais en vrai, j'en peux pas. Je suis au bout du rouleau, là. À deux doigts d'un burn-out. Hein. Un burn-out social et un burn-out de tout. De tout. Je sais pas. J'ai envie de descendre dans ma cave et d'y rester pendant au moins 2 semaines. Je ne peux plus. Voilà, c'est très simple. Je pense que beaucoup d'entre nous, et quasiment la majorité, sont comme ça. Nous n'en pouvons plus, ce n'est plus possible. En tout cas, je vous mets un code promo pour le calendrier, pour le site Lalalab. Donc que ce soit pour un calendrier ou pas. Je vous mets un code promo pour Lalalab. Vous savez que c'est un site avec lequel je collabore souvent et sur lequel je commande avec mon argent très très souvent. Mais vraiment très très souvent. Toutes mes photos viennent de là-bas, mes affiches viennent de là-bas. Bref, Lalalab, ma vie. Donc, le calendrier, je l'ai trouvé canon. J'aime trop. Allez, je vous ouvre les calendriers de l'Avent sur ce. Avant-dernière case du calendrier de l'Aventé. D'ailleurs, la dernière case, elle s'est faufilée par là. J'irai la chercher demain. C'est le 170 ans. Thé vert et thé blanc de Chine, arômes, fruits rouges, amandes, miel et fleurs. Allez, calendrier Yves Rocher, pareil, avant-dernière case. Un moment relaxant pour les mains. Oh non, pas une crème pour les mains. Orange fondante, crème main. Bon, alors après, ça fait partie de la gamme de Noël, donc c'est plutôt sympa d'avoir eu ça. Maintenant, moi, les crèmes pour les mains, c'est pas un truc que j'utilise beaucoup, hein. On verra demain ce qui nous réserve pour la dernière case. Salut! Je suis en pull de Noël aujourd'hui. Enfin, en pull de Noël. En pyjama de Noël. Merci. Oui, donc ce matin, c'est télétravail. Je suis ravie. J'aurais vraiment dû poser ma journée entière, en fait. Mais bon, comme j'avais plus beaucoup de jours et que j'ai pas voulu faire la crevarde, j'ai posé que l'après-midi pour être sûre que ça soit accepté. Mais en fait, j'aurais dû poser la journée entière. Donc, ouais, j'ai une coiffure qui ressemble à rien du tout.
Donc là, voilà, je suis entêtée, je suis deg. Franchement, je suis deg d'avoir à prendre des appels ce matin, quoi. Ça me fait chier. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Je vous ouvrirai les calendriers de l'avant à ma pause. Pause. Et c'est parti pour les dernières cases du calendrier de l'avant. On commence avec le Bass Enchanted, la dernière. Bon, alors, elle est cassée, c'est fort dommage. Mais bon, après, en même temps, hein, elle était super bien emballée dans le colis, donc bon, c'est pas grave. Ça m'a l'air d'être un petit pain moussant Mickey. Gingerbread Mouse Bass Bomb. Donc, c'est pain d'épices. La dernière case du calendrier de l'Avent de thé. Et là, on est sur le thé de Noël. Oh bah, ils nous ont gardé ça pour la fin. Thé noir de Chine, arôme amande et cerise. Ok, c'est cool. Et la dernière case, y brocher, bébé. Il est là, il est là, il est là. Le naturel surnaturel. Alors, c'est un mascara. Intense métamorphose. Oui, en noir. Oui, c'est un mascara. La brosse, elle est à picot naturel. En fait, c'est pas silicone. Je vais le tester ce soir. Je vais en profiter pour débriefer justement les calendriers de l'avant et vous donner mon avis dessus. Alors, pour le Bass Enchanted, je m'attendais à mieux. Dans le sens où, bon, c'est un 12 cases, on a eu énormément de bombes de bain et beaucoup de pain moussant, donc à ce niveau-là, c'était bien équilibré. Par contre, en termes de design des bombes de bain, je m'attendais à retrouver des bombes de bain qui sont vendues sur la boutique. Et là, je sais pas comment expliquer, il y avait des bombes de bain, elles étaient toutes petites et tout. C'est quand même un calendrier de l'Avent qui coûte 30 livres, donc je réitérerai pas l'année prochaine. Le Compagnie Coloniale, c'est celui que je regretterai jamais d'avoir acheté. Mais alors, jamais, franchement, ce calendrier-là, je le kiffe. C'est même grave possible que je le rachète l'année prochaine, même si je connais l'été. Pour le Yves Rocher, je suis en mi-bol. C'est-à-dire qu'il est bien. Franchement, il est bien. Maintenant, il est beaucoup focalisé soin quand même. Je trouve que ça, on a eu que deux produits de make-up. Ça aurait été pas mal d'en mettre quand même, on va dire, allez. Peut-être 4 ou 5. C'est un calendrier qui est sympa. Voilà, il est sympa. Il est, je l'ai bien aimé, mais il y a un mais en fait. Je reste sur ma faim. Voilà, je l'ai bien aimé, j'ai adoré ce calendrier, mais je reste sur ma faim. Et voilà mes emballages pour cette année. J'ai fait du classique. Par contre, c'est de la merde du papier craft. Il va falloir que je remette des gros bouts de scotch parce que ça se... Bah, comment vous dire hein, que ça se défait hein. Eh bien, il est actuellement 14h16 de l'après-midi. J'ai terminé ma journée de travail à 13h36, ça, très exactement. Et je suis allée repasser la même tenue qu'hier, hein, honnêtement, pour prendre mes bûches. Que j'ai commandé chez U, les nouveaux commerçants. Voilà, j'ai pris un petit peu de tout pour que tout le monde y trouve son compte. Il y en a trop, mais c'est pas grave, de toute façon, ce sera à manger. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors ici, on a un finger chocolat. Bah, chocolat, caramel, voilà. Là, ça, c'est au citron. Ça, c'est à la passion. Ensuite, ici, nous avons des petits bonnets donc de Papa Noël. Il y en a un au chocolat et il y en a un à la fraise. Ensuite, j'ai pris un petit sapin 3 chocolats, comme ça, c'est un petit sapin. Après, j'ai pris un sapin fraise et un autre bonnet chocolat. Et pour finir, un autre finger chocolat, un entremets fruits rouges et ça, c'est à la framboise et tout. Je crois que ça, c'est ma mère qui va le prendre, ça. Il me semble bien. Ensuite, j'ai pris ce qu'ils appellent des petits fours prestige. Voilà, donc il y en a deux. Donc, il y a plusieurs petites pâtisseries. Ça a l'air bien bon, non, franchement. Donc, il y en a deux. À la base, j'en avais pris un de 36, mais ils m'ont appelé hier, ils les ont pas reçus. Donc, du coup, à la place, pour le même prix, ils m'en ont mis deux comme ça.
J'ai pas fait un truc de dingue non plus. J'ai utilisé les fards Pat McGrath et ma palette de chez Beauty Bay. Et après, voilà, je me suis juste fait une petite queue. J'ai mis un pull noir tout simple et un pantalon à carreaux vert. Salut! Joyeux Noël! On est donc le 25 décembre, c'est le jour de Noël. Moi, je suis tranquille à la maison puisque on fait toujours tout ce qu'il y a à faire le 24. Et là, j'avais pas envie de bouger. Samy, il est parti chez son père avec sa fille. Mais moi, j'avais envie de rester à la maison à ne rien faire. Donc là, je regarde des petites vidéos. Après, je pense que j'irai me préparer pour filmer ma vidéo cadeau de Noël, qui sortira du coup la semaine prochaine. En attendant, j'ai passé un super réveillon hier. Je suis vraiment trop contente. J'espère que vous aussi, j'espère que vous passez un bon Noël. T'avais qu'à le dire si je te dérangeais, ça aurait été plus vite, non? A few moments later. On va au resto, on est le 25 au soir là, on a décidé d'aller au resto parce que le 25 au soir on fait jamais rien. Donc là on va se faire un petit resto asiat et derrière on se fait un petit séance de cinéma SOS Fantôme. À la salle pour nous tout seuls. Je sais pas si on va rester tout seul longtemps, mais je pense que oui. Donc on est sorti du cinéma. Là on est à la maison. Voilà, je me suis démaquillée et tout. Et je voulais vous faire un petit retour sur SOS Fantôme. Je l'ai trouvé trop bien fait. J'ai adoré les personnages. Les personnages ils sont attachants, genre, mais vraiment tous de A à Z ils sont hyper attachants. L'histoire elle était cool, les clins d'œil au premier SOS Fantôme ils étaient vraiment sympas, le casting était cool aussi, enfin bref, on a vraiment passé un bon moment, on a vraiment bien aimé, on n'a pas vu le temps passer, franchement c'était trop bien. Donc si vous aimez franchement si vous aimez les SOS Fantôme à l'ancienne, celui-là vous allez le kiffer, c'est sûr. Et voilà, enfin bref, c'était sympa, c'était vraiment sympa, vraiment comme les Ghostbusters à l'ancienne un petit peu, mais version forcément 2021 avec des effets spéciaux plus quoi. Bref, c'était vraiment cool. Et puis, moi sur ce, je vais clôturer ce vlog masse de semaine, le dernier, voilà, qui sortira demain. Donc demain, il faut que je monte. Donc voilà, je vais vous mettre sur le côté les dernières vidéos sorties. On se retrouvera pour la vidéo de mes cadeaux de Noël vendredi prochain à 16h, on reprend le rythme normal. Et puis moi en attendant, comme d'habitude, je vais vous dire ciao.